Sébastien Froin, président du groupe Vigier, un groupe local, un groupe du Périgord. 120 salariés, Périgueux, Gardonne, Bergerac donc, et Rochefort, avec un bureau en plus sur Bordeaux. Un bâtiment industriel, commercial pour professionnels. Génie civil de l'eau, donc on fait des stations d'épuration, stations de traitement d'eau potable et tout ce qui est lié au génie civil. C'est nous qui allons faire les locaux du Grand Périgueux. D'ailleurs, nous avons commencé les travaux au mois de juin. C'est un pôle préfabrication béton, des usines de préfab béton à Sarlat et à Tours, reconditionnement de béton, du désamiantage, tout ce qui est lié autour de la construction, mais sur des niches d'activité. Le groupe Vigier est partenaire de l'USB depuis 5-6 ans. Je suis un passionné de sport collectif, j'ai 35 ans de licence de foot, j'ai entraîné, j'ai coaché, je suis toujours debout sur les bords de terrain, mais plutôt à l'extérieur, je ne m'en occupe plus, donc ça me donne du temps pour aller sur les terrains, foot, basket et rugby. Rugby avec un partenariat à La Rochelle, un partenariat à Brive pour les clubs pro, et puis un partenariat avec l'USB, parce que j'ai beaucoup de copains à l'USB. S'il y a un privilège avec l'USB, il y a un avantage, c'est qu'on voit des jeunes du cru, et j'aime plutôt ça. Donc je suis content quand je vais à l'USB de voir des gamins que je connais ou des fils de copains qui sont sur le terrain. Ça nous donne une identité, et ça c'est vrai que c'est quelque chose de sympa. Puis accessoirement, sur les troisièmes mi-temps, on fait des petites soirées autour des barriques avec des produits locaux qui sont super agréable, donc on joint l'utile et l'agréable, un peu de business, un peu de plaisir et de la convivialité entre copains. Je serai toujours en noir et blanc la saison prochaine, en noir et blanc avec l'USB, en noir et blanc avec Brive aussi, puisque c'est un club local, mais avant tout avec l'USB, parce que j'ai encore des copains, j'ai des gens que je connais, et de la convivialité, donc il faut continuer tout ça.